Agnès Lecire, gérante de la boutique Multiblue Paradise, juriste, préparateur physique et mental. Aujourd'hui, je vais vous montrer les deux nouveautés de cette année en ce qui concerne le TFX de chez Tonefly. Il y a le sac de transport qui existe en trois tailles, en 0, en 1 ou en 2, suivant la taille de votre casque, et le film protecteur qui n'existe plus dorénavant qu'en transparent, blanc et brillant. Ces deux choses, film protecteur et sac de transport, je les ai de stock chez moi. Donc, vous pouvez les avoir très rapidement. En quoi consiste le film protecteur? Le film protecteur, lorsque je l'ai mis sur mon casque, c'était encore à l'époque en noir. Donc, ça sera plus facile pour vous le présenter que s'il avait été transparent. Donc, le voici. C'est le film que vous mettez sur le sommet de votre casque et également sur les deux parties proéminentes du casque. C'est surtout un intérêt, c'est si vous avez l'intention prochainement d'entamer la formation en raid d'arme, donc tête en bas, ça vous évitera de griffer et d'endommager votre casque inutilement lors de cet apprentissage. En effet, votre casque vient frotter sur le fil d'acier de la soufflerie et vous risquez de garder des souvenirs pas très agréables à votre casque. Alors, si votre casque prend soin de vous, prenez soin de lui aussi. Voilà. Alors, en ce qui concerne le transport, encore une façon de protéger à lui et de transporter dans de bonnes conditions. Moi, j'ai un casque 0, donc j'ai pris un petit sac taille 0 également. Je le place à l'intérieur. Voilà, je referme la tirette. Voilà, vous avez une anse pour le transporter et il est très pratique. À l'arrière, vous avez une pochette où vous pouvez mettre votre altisson, votre altimètre ou vos gants ou ce que vous voulez. Il y a un peu de place pour mettre ce que vous souhaitez. Voilà. Je pense vous avoir tout dit sur les nouveautés et sur les disponibilités en stock des nouveautés de Tonefly chez Multiblue Paradise. Au revoir!